Salut à tous, c'est Narm, de retour sur The Land of Pain. On va enfin rallumer la lampe, hein, histoire d'attirer tout le monde ici, évidemment, toutes les créatures. Et l'autre m'a fait sursauter quand il a sauté. Quel idiot. Oui. Allez vite, je vais pas attendre là, hein, que l'autre arrive. Je vais vite appuyer sur le petit bouton. Histoire de voir ce que ça fait. Voilà, je peux plus bouger. Pourquoi je peux plus bouger? Je suis paralysé. Boum. Oh, ok. D'accord. Et c'est discret, personne ne m'a entendu, hein. Je vous assure. Ça me servait à quoi de faire ça? Une boussole? Non, c'est pas une boussole, c'est un truc de pression. Quel idiot. Attendez. Je dois pouvoir grimper? Non, je suis bloqué par un mur invisible. Peut-être là? Non plus. À quoi ça m'a servi de venir ici? Ah, cisaille. Je savais... Oh, ok. Aïe, j'ai eu mal. Alors là, franchement, si la créature sait pas que je suis là, c'est qu'il y a un problème. Le système a court-circuité à cause de l'eau. L'explosion doit avoir attiré l'attention. Je dois m'en aller immédiatement. Je le savais. Non, 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 je suis pas là. Je cherche même pas à fouiller. Attends, attends. On prend le temps. La gare, combien de personnes il y a? Je ne suis pas le seul à l'avoir attiré ici. J'ai trouvé un homme qui a été kidnappé et soumis à des études et des tortures. Il a réussi à fuir, mais malheureusement, je suis arrivé trop tard car le pauvre homme s'est suicidé en se jetant de la tour. Je me demande si c'est pas le mec qu'on avait entendu dans le... dans le truc où il y avait la turbine. Il était évidemment terrifié pour commettre un acte de cette nature. J'ai lu ces dernières notes, ils m'ont révélé la nature des habitants de ce monde. Ils semblent être très violents et accomplissent de terribles sacrifices en l'honneur de leur monstrueuse divinité. Désormais, je devrais faire encore plus attention pour ne pas me faire voir par l'un d'entre eux, ou encore pire, par leur dieu. Il a des yeux partout, comme lui. Et contre lui, je n'aurai aucun espoir. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on les a jamais vus. Enfin, vivants en tout cas. On les a vus morts, sûr. Mais on les a jamais vus, à moins que ce soit la créature ténébreuse. Ce serait ça? Ce sont les habitants d'ici? Ok. Non. Bon. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'arrive pas à savoir si c'est... Pourtant, on voit bien qu'il y en a deux différents. Mais bon. Non, c'était... Je pense que c'est les humanoïdes. La créature sombre, ça doit être un envoyé de leur dieu. Oh, il y a encore un hôtel là-bas. Hello. Ça va? Oh, bah, tout va bien. C'est cool. C'est fun. Allez. Ne venez pas. Ouh, petite loupiote. Ouh, petit hôtel. Ouh, les yeux rouges. Ouh. Hello. Salut. Est-ce que je dois vous enfermer? Mais du coup, pourquoi il voulait l'enfermer? Examinez. On dirait un ancien temple où des sacrifices étaient pratiqués. Oh, ils sont morts ensemble, ils sont mignons. C'est mignon, toi aussi t'es mignon, hein? Tu m'attaques pas, hein? T'es beau, t'es magnifique. Quel monde étrange tout de même. Avec des dieux aux yeux rouges et des dieux aux yeux verts. Allons-y. Je suppose que c'est par là que je dois aller. Oh, le cimetière. C'est fermé, je peux facilement franchir la clôture. Est-ce que j'ai vraiment envie? Allez, c'est parti. Relevons les morts. Coucou. Coucou, je suis là. Non? C'est fermé. Oh non. Mais c'est bon, je peux passer au-dessus. Examinez. Il y a une porture terrible dans l'air. Ces cercueils sont visiblement ont visiblement été déterrés. Ça ne... C'est quoi ce bruit? Y'a quelqu'un? Attends. C'est quoi ce bruit? C'est bizarre. Porte. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? La porte est barrée, mais avec le bon outil, je devrais être en mesure de... Attends. Le mec se demande ce que c'est le bruit. Puis après, ouais, je devrais ouvrir la porte, hein. Totalement normal. Ah, c'est dans le cercueil. Y'a un cercueil ensanglanté. Ah non, mais j'ai pas envie d'ouvrir, mec. Non. Non. J'ai pas tellement envie d'ouvrir.
C'est fermé, ok. Je ne veux pas être découvert, j'entends des étranges voix dans... venant de l'extérieur, de l'intérieur. Ok. Je pense qu'on est dans un endroit où on va se taper plein de zombes, hein. J'ai pas pris mon shotgun. Ça aurait été bien de l'avoir. Oh, une maison, non? Maison? Maison ou pas maison? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu notre ami vaporeux. Il est où? Hello? Attends. Il y a une autre lumière là? Est-ce que je peux grimper? Bonne question, Narm. Non. Ouh, j'aime pas être dans la forêt. Oh non, il est encore derrière moi, lui. Oh, oh, semble fermer de l'intérieur. Personne n'a jamais eu le courage d'interférer avec les élus, mais si je fais attention, je pourrais arriver à découvrir leurs secrets. Ils ont toujours eu accès à des connaissances que nous ignorons, et cela leur permet d'espérer... De quoi dépercer leur pouvoir? Ok. Je les ai espionnés un bon bout de temps, mais ils font tout pour être discrets. Toutefois, je crois que leur lieu de réunion secret se trouve dans la cave de la maison près d'ici. Je les ai vus y aller souvent et y rester pendant des heures. Il semble qu'il y ait un mécanisme secret pour ouvrir la porte et ils semblent être connectés au puits. Je les ai vus faire descendre à l'intérieur un seau plein de pierres. Ce soir, je vais en découvrir plus et je m'infiltrerai dans la maison. J'ai vu l'un d'entre eux cacher les clés dans les fissures des pierres, dans le muret près du puits de là. Très bien. De là, je ne sais pas quoi. Ok. Attends. Il y a un truc, peut-être. Non, non, je peux rien faire d'autre. Ok. Bah, on va faire le peu d'informations qu'on a, hein. Ok. Donc, faut que je trouve le puits. Et que je mette des petits cailloux dedans. Ploup, 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 ploup. Pour aller tout au fond. Et découvrir le secret. Le secret gardé. Au fond. Et on va découvrir le cercle. Ouh. Jolie voiture. Porte-bagages. C'est fermé. Va falloir que j'ouvre peut-être. Examiner, il n'y a rien d'utile. Bah non en fait. Il me le dit, il n'y a rien d'utile. Donc le puits, il est là. Ah non, c'est l'eau, ça va. Il y a quelqu'un dans la maison. Non? Bloqué, je ne peux pas l'ouvrir. Mais est-ce que je... Puis, donc il me faut... Il me faut du coup un seau avec des cailloux. Mais du coup, il y a deux... Ils sont pas tous mauvais, puisqu'il y en a certains qui ne sont pas avec les élus. Étrange. Ok, ça c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Je peux rentrer? C'est fermé avec les... Ok. Le problème d'avoir tout fermé comme ça et d'avoir quelques trucs ouverts, c'est qu'on ne sait pas lequel on doit ouvrir. Au bout d'un moment, je m'en veux... Je ne peux pas m'en aller, je dois découvrir davantage sur ce lieu. Ok, bizarre. Bah moi je me serais cassé mec. Non? Tu veux pas partir? Tu veux rester là? Ok, très bien. Alors là il faut que je trouve un seau. Comment je vais faire? Attends, il doit y avoir la clé dans une... Normalement dans le muret, je crois que c'est ça. Hein. Vous avez parlé du muret. Là. Hey, il y a une petite clé entre les pierres, je ne l'aurais jamais trouvée si je n'avais pas lu la note. Peut-être que si, en fouillant bien. Non, là, on peut pas ouvrir. Bonjour! Excusez-moi de pénétrer dans votre maison. Ok. Page. Il semble que la rencontre de notre espèce avec les habitants de la Terre soit un péril pour le Grand Ancien. Si nous réussissions à découvrir pourquoi, nous pourrions avoir trouvé le moyen de nous libérer de lui. Ceci était l'espoir de nos ancêtres, et c'est pour cette raison qu'ils laissèrent intacte la machine. Toutefois, nous ne pouvons pas risquer qu'ils découvrent ce que cet édifice cache ou la machine serait en danger. Est-ce que ça veut dire que nous sommes un danger? C'est pour ça que l'autre nous attaque, mais pourquoi nous serions un danger pour les... Parce qu'on a une nature plus curieuse. Pour comprendre la raison pour laquelle le Grand Ancien ne voulait pas de rencontre entre les deux civilisations, nous avons commencé à étudier l'espèce capturée pendant la dernière expédition. Elle est physiquement semblable à nous, sauf la peau et les yeux. Les analyses du sang nous ont révélé que sa composition était très semblable à la nôtre, même si certains éléments sont présents en pourcentage différent. Nous sommes presque sûrs que le sujet comprend notre langue, mais malheureusement, il a réussi à s'enfuir avant que nous puissions l'interroger. Ah. On parle de moi? Hello? Lampe. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour.
On va garder le jour, hein. C'est mieux. Bonjour. Je suis... cuvette. What? Pourquoi je pouvais cliquer dessus? What the fuck? Oh ouais. Tu files le bon moment pour aller chier un coup. T'as tout à fait raison, mec. Au moins t'es libéré, on va pouvoir courir librement. Oh, il y a un truc là. Oh, il y a un truc. Bonjour. Ah, c'est ça qui faisait du bruit? Ok. Examinez, je ressens une sorte d'énergie bizarre qui vient de cet objet. Je me sens étrangement attiré par lui. Ouh. Ok. Examinez. À la base de cet étrange objet, il semble y avoir un mécanisme. Il semble qu'il manque un engrenage. Ah putain. Encore un truc à récupérer. Ah, là ça a été cassé. Pourquoi t'as cassé ton vase, mec? Hein? Y'a quelqu'un? Mais y'a personne! Pourquoi on me fait flipper comme ça? Faut pas me faire flipper. Désormais, il est trop tard. Ne pas obéir aux avertissements du grand ancien était une grosse erreur. Dans le village, une créature horrible est apparue. Elle se cache dans le bois et est en train de tous nous tuer. Nous avons essayé de tirer, mais les armes conventionnelles sont inutiles. Nous sommes en train d'enlever les humains de la terre pour trouver la pièce manquante. Nous les disséquons et les torturons parce qu'ils savent probablement quelque chose qu'ils ne veulent pas nous révéler. Sérieusement? Et ça a fonctionné? Ah bon, l'un d'entre eux a reconnu le grand ancien et nous a confirmé qu'il vivait sur Terre il y a des années. Donc le grand ancien, c'est Ch'tulu? Ch'tulu? Sa révélation nous a bouleversés. Il semble que notre dieu s'est uni à la race humaine en générant une nouvelle lignée qui se révolta contre lui. C'est la réponse que nous cherchions. Nous devons trouver un descendant de cette lignée. What the fuck? Je serai donc le descendant? Selon ce que les élus ont découvert en décodant le livre, le grand ancien vivait sur Terre. Là, il était vénéré par des populations primitives avec laquelle il s'est uni. On donne lieu à une lignée qui avait son sang dans leurs veines. Cependant, ils se révoltèrent grâce au pouvoir que le grand ancien leur avait donné et réussirent à l'exiler dans le point le plus profond des océans. Mais quand les créatures de ce monde ouvrirent un portail sur la Terre, le grand ancien partit et s'installa en ce lieu maudit de l'autre côté de l'univers. La seule pensée que cette créature répugnante fut sur la Terre est à glacer le sang. En outre, cette union, son union avec les humains est quelque chose d'horrible. Quelque chose me dit que tu es son descendant, mec. Et ça va pas te plaire. Oh non. C'est donc pour ça que l'autre peut communiquer avec moi. Parce que je suis son enfant caché. Caché? Oui. C'est moi qui attire les objets ou c'est toi qui m'envoie les objets? Hein, mec? Oh! Oh! Réponds là! Quick! Ah ah! Oui! Toujours aller dans les endroits les plus creepy. Saut, plein de pierres en plus. Y'a rien d'autre? Non, ce serait trop beau qu'il y ait d'autres trucs. On va ouvrir la porte du coup. Et retrouver la machine. Rentrer dedans! Et ne faire qu'un avec papa. Puis. Ok. Je devais pas descendre avec? Plouf. Clouc. Ok. Je me rappelle plus ce que je dois faire ensuite. Ok, d'accord. Est-ce que je... La cave, elle est sous la maison? Mais... Attends. J'ai ouvert un truc dans la maison? Attends. Attends. Il est censé y avoir une cave, mais elle est où? Bah, elle est où? Ok. Attends, c'est pas là. J'ai entendu une porte. Il y a une porte quelque part qui s'est ouverte. Ah, ici. Aha, j'ai trouvé. Marteau. Marteau charpentier peut être utile. Interrupteur. Ouais. Est-ce que je peux me servir? La tronçonneuse. Non. Je n'ai pas le droit. Le marteau, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je croyais que ça ouvrait la cave où il y avait la machine, justement. Moi, ne pas comprendre. Bong. Bong. Je suis revenu, mes enfants, pour vous sauver. Je suis là. Je suis votre père tout puissant. Oui. Oui, papa. Je suis là, papa. Je suis là. Je suis revenu pour toi.
Qu'est-ce qui est en train de m'arriver cette fois? Elle était en train de me prendre le dessus sur moi. T'as toujours pas deviné que t'étais le descendant? Non. Non, non, ça te vient pas l'idée que... Non, bah... Normal. Allez, allons-y. J'ai hâte de savoir ce qui va me sauter dessus. Me sauter à la gorge. J'ai enlevé les barres. Ah, lubrifiant. Toujours avoir du lubrifiant sur soi. Examiner. Il y a quelqu'un de vivant dans ce cercueil, je ne peux pas risquer de l'ouvrir, ça pourrait être un piège. Ah, t'es courageux, mec. Quel enfoiré. Oh, bah non, vas-y, crève dedans. Allez, reste là, hein. Est-ce que je peux ouvrir, là, maintenant? C'est fermé, je ne peux pas... Ok, je peux pas être découvert. Il semble qu'il n'y ait pas de pression dans les pipelines. Il va y avoir une porte secrète. Ouais, il y a une porte secrète, là. On voit, il y a la statuette. Petite statuette. Je suppose que je dois remettre la pression d'une façon ou d'une autre. Avec les outils que j'ai là, mais... Où est-ce que je dois la mettre, là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce... Oh, ok. Ah oui, c'est nouveau, ça. Ah oui, il y a du sang. Ah, mais... Ah, mais non. Ah, mais non. Ok. On va fermer la porte. J'ai pas envie qu'on m'arrive dans le cul. Qu'est-ce que vous avez fait encore, les mecs? Hein? Bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Est-ce qu'il a été... Il a été mutilé? Qu'il était pris en train de me suivre? Que faisait-il ici? Bizarre. Ok. Très bien. Et Attends, peut-être que c'est par là que je dois rétablir la pression. Pourtant non. Téléphone. Allô? Non? Toujours personne. Ok, ça ne marche pas. Là, il y a un truc. Trappe. C'est vrai que je suis pas allé voir là-haut. J'avais repéré, mais j'ai complètement... Ah, si, j'avais donc besoin de l'huile pour pouvoir grimper. Ok. Pas de l'huile. Ah, clé de voiture. Voilà. On va pouvoir enfin ouvrir ce coffre. Il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Page. Depuis l'aube des temps, notre ordre des élus a gardé le secret pour communiquer dans les profondeurs où réside le grand ancien. Pour préserver ce secret sacré, il est fondamental de suivre ses règles. Nos enfants ne pourront pas avoir accès à l'instruction publique, mais devront suivre une instruction spéciale qui leur enseignera les secrets de l'univers obscur. À 18 ans, ils devront participer au rituel d'initiation, et s'ils réussissent à survivre, on leur confiera le médaillon personnel qu'ils utiliseront pour accéder au lieu secret. Le médaillon est extrêmement important, il ne devra pas être perdu pour aucune raison. Quand un élu mourra, le rituel du trépas se déroulera en son honneur. Son médaillon sera posé dans le cercueil. Ah, attends, ce sera pas un élu qui était dans le cercueil? Afin que le défunt puisse l'utiliser pour ouvrir les portails du monde souterrain. Sur la pierre tombale, il y aura l'image du grand ancien afin qu'il puisse veiller sur le défunt pendant son voyage dans les profondeurs. Attends, est-ce que ça veut dire que je dois aller déterrer quelqu'un? Mais, je... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas bien, c'est ça? T'es fatigué? C'est quoi le bip bip? Qu'est-ce qu'il y a? Bip, 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 bip. Ok. C'est l'horloge qui est là par terre et qui sonne complètement contre le mur? Ça a été bien fait, ça. Donc, la voiture. Ensuite, il faut que je trouve... Attends. Je l'ai ouverte. Engrenage. C'est ça dont j'avais besoin? Ah bon? L'engrenage, je le mets où? Attends. Il m'a dit que normalement, je devais trouver un symbole pour pouvoir accéder au au monde souterrain. Alors, attends, engrenage. Je peux le mettre là? Soupape? Non. Où est-ce que je peux mettre l'engrenage? Je suis con, j'avais oublié celui-là. Tourne. Brrr. Shazam.
Pas Shazam. Sésame, ouvre-toi. Shazam. Oui, mon petit norme. Ça va aller. Alors, attends. Il y a une page. Le système pneumatique est géré par 4 soupapes qu'on a vues donc dans la cave, dont une de réserve en cas d'urgence. Pour que le système puisse fonctionner, on doit ajuster à la bonne pression dans les tuyauteries d'alimentation du système. Mais il est fondamental de ne pas ouvrir plus de pression que nécessaire. Dans ce cas, l'installation pourrait provoquer une explosion. D'où la 4e soupape, je pense, à mon avis. Le système a été calibré pour obtenir la juste pression de cette façon. Soupape 1, pression moyenne. Soupape 2, pression minimum. Et soupape 3, pression moyenne. Ok, moyenne, minimum, moyenne. Si une des 3 tuyauteries d'alimentation est endommagée, le système peut être alimenté par le 4e conduit qui peut remplacer le conduit qui ne fonctionne pas. Mais étant plus petit, on doit considérer que sa capacité est inférieure. Ok, donc pression moyenne, moyenne, minimum, moyenne. Ok, ne pas me planter surtout. Ce serait dommage, soupape. Ok, donc ça, c'est déverrouillé. Donc a priori, je dois pouvoir maintenant jouer avec les autres soupapes. Les autres petites soupapes. Et l'appel me sert à quoi pour le moment? À rien. Ok. Eh ben allons-y. Bloup, 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 bloup. Ah, je peux pas fermer la porte. J'aime pas ça. Il y a un truc qui peut me tomber derrière moi. Alors, moyen, on a dit. Minimum. Moyen. Pas de pression. Oh non. Il est cassé. Attends, moyen. 2. Moyen, hein, c'est ça. 2. Et 2. Je pense qu'on est bon. Non. Ok, on n'est pas bon. Je peux pas revenir en arrière. À moins que je dois monter encore le 4 puisqu'il dit que sa capacité est inférieure. Ah ah! Trouvé. Étrange engrenage. Ok, donc là il faut que je trouve maintenant. C'est là qu'il faut que j'utilise la pelle pour pouvoir trouver effectivement le fameux médaillon. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour aujourd'hui, je ferai ça la prochaine fois. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Ciao!